Morgen, allez, Yiden, les sous aujourd'hui le Nishmat Dov, Ben Yehudit, Eviatarab, Eviatar, Amram Ben Chedva, Chay Esther, Bat Miriam, Mitzrak Peretz, Ben Fortuna, Chaim Michael, Ben Sultana. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masrach Shabbat, Perikut, Bet Mishnah, Vava Kotev, Shte Otiot, Bishtei Ha'alamot. Achat Shacharit, Achat Ben Arbaim, Rabban Gamliel Mechayev, Vachachamim Potrin. On continue avec notre dernière Mishnah sur l'interdit de Kotev, l'interdit d'écrire à Shabbat, en définissant une marloquette en réalité qui s'étend sur toutes les Melachot quasiment. On retrouve très fréquemment ce sujet dans Masechet Shabbat, ceux qui font du Daf Hayomi par exemple, ou qui étudient la Gemara de Shabbat, un sujet qu'on rencontre beaucoup, c'est quelqu'un qui va faire une Melacha en deux morceaux. Je m'explique. Pour plein de Melachot, il faut nécessairement une quantité requise pour transgresser l'interdit. D'accord, on l'a déjà évoqué plein de fois, comme dans tous les interdits de la Torah, quand on mange, on te demande de manger au minimum un kazaït pour faire une mitzvah, ou même pour transgresser un interdit. Parfois ce sera gros guéret, parfois il y aura des quantités requises différentes. Ça c'est pour manger, mais il va de même pour n'importe quel melacha. Pour écrire, on avait appris qu'il faut écrire nécessairement deux lettres. Porter, il faut porter quatre amot. On va encore découvrir, on va découvrir le prochain Mishnah. Le prochain Pérec, ce sera Oreg, celui qui tisse, combien de fils doit-il tisser pour transgresser l'interdit de Shabbat. Maintenant, on a une discussion très générale sur toutes les Melachot. Je t'ai demandé une certaine quantité requise, premièrement. Maintenant, pour transgresser l'interdit de Khatat, pour être Hayav, un Korban Khatat, il faut nécessairement le faire Beshogeg, par erreur, par inadvertance, et, d'accord, par erreur. On avait appris plus haut, que si j'ai fait la moitié en oubli et la moitié en réalisant mon erreur, donc la moitié je l'ai faite bémézide, avec préméditation si je peux dire, j'ai commencé une avéra, puis j'ai réalisé que c'était Shabbat. Si j'y suis, je continue. Alors là, on avait appris que tu transgresseras, tu ne pourras plus apporter un korban khatat, parce qu'apporter un korban khatat, il faut être beshogeg du début jusqu'à la fin. D'où la question maintenant, si tu étais shogeg au début et à la fin, au milieu, tu as eu un moment où tu as une prise de conscience, sans continuer ton travail, et puis après tu as oublié de nouveau et tu as continué ton travail. Vous avez compris l'histoire? Je recommence. On a dit il faut que tu écrives deux lettres. Maintenant, deux lettres en théorie, tu peux même écrire une lettre tout de suite, et une lettre dans une heure. Il n'y a pas de problème, si tu as écrit deux lettres, tu as transgressé l'interdit d'écrire à Shabbat. On n'est pas limité par le temps. Pas comme lorsqu'on mange. Quand on mange, on est limité par le temps, qu'il faut manger en 4 minutes, en 8 minutes. Porter à Shabbat, c'est le même principe aussi. On avait l'agma alpa dans un cas pareil, par exemple. Je fais sortir. Et on avait dit qu'il faut sortir une certaine quantité requise. Allez, une taille d'une figue. Tu fais sortir pour le moment une taille d'une demi-figue, tu le poses, et deux heures après tu reviens, tu fais sortir une demi-figue. D'accord? Tu as transgressé l'interdit, il n'y a pas de problème. La question, elle est quoi maintenant? Elle est, si toutefois, tu as pris conscience que tu transgresses que tu as transgressé l'interdit de Shabbat. Et après, tu as de nouveau oublié. D'où vient quel est le doute qu'on a ici? Le doute, il est que, on savait bien que Yediot Mechalkot, on avait déjà évoqué qu'on avait appris le début de Klal Gadol de Perek Zayin de Shabbat, que lorsque tu as, on va prendre un cas plus, imaginez que quelqu'un il a mangé du chélève, une graisse interdite, il a mangé du chélève le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, tout ça dans le même oubli, il apportera un seul korban. Mais s'il a réalisé son erreur au milieu, il a mangé dimanche et lundi, après il dit mais je suis fou, j'ai mangé du chélève. Et après, il oublie de nouveau que ce qu'il a au frigo, c'est la graisse interdite. Et il remange mardi et mercredi. Puisqu'il a pris conscience au milieu, la prise de conscience de la Avera interrompt la Avera par rapport, puisque tu apportes un korban sur un shogeg, sur le fait que tu étais par erreur, par inadvertance, par oubli. Donc si tu as pris conscience, ça interrompt. C'est plus le même oubli. C'est deux oublis, donc c'est deux Averot, deux korbanot. Là, le problème, il est que quoi? Le problème, il est que je te demandais une quantité requise. Tu prends conscience au milieu. Quand tu prends conscience au milieu, eh bien, tu n'es pas encore passible d'un korban. Après, tu réoublies. Après, tu complètes ta avera. Est-ce que finalement, ça s'associe ou pas? Et on a une discussion sur ça. À côté, b'shte otiot b'shte alamot. Celui qui écrit deux lettres, b'shte alamot, en deux oublis. D'accord? Il a commencé une première lettre, et puis après, il s'est souvenu, et puis après il a réoublié, donc il y a eu deux oublis. Mais malgré tout, il n'y a pas eu une prise de conscience qui l'a imposé d'apporter un korban. Donc c'est pas une prise de conscience qui rend chayav d'un korban, d'accord? Ou bien même principe encore, la Mishnah extrapole un petit peu le principe en disant « Echad shacharit et echad ben arbaim » un le matin et un l'après-midi, tard dans l'après-midi.
que logiquement, c'est sûr qu'il a réalisé que c'était Shabbat au milieu. Même si c'était pas forcément clair. Bien, dans tout ça, Rabban Gamliel Mikhaïv, Rabban Gamliel rend Chayav. Pourquoi? Parce que En Yedia Lechati Shiur Lechalek. Comme ça, il rapporte le Bartanura. Il n'y a pas de prise de conscience pour un Chati Shiur, pour une demi-quantité, pour couper les deux demi-actions. Prise de conscience qui interrompt pour apporter un korban, c'est parce que parce que tu as réalisé que tu as transgressé une avéra et que tu dois apporter un korban. Donc ça y est, là, tu as fini une entité d'une avéra, et après c'est une nouvelle entité d'une avéra. Mais tu ne dois pas apporter un korban au milieu, parce que ta prise de conscience n'engage en rien, eh bien, c'est encore, tu pourras, ce que tu feras ensuite, s'associera à ce que tu as déjà fait initialement. Tandis que ça, c'est donc Rabban Gamliel qui rend Chayav, Chachamim Potrim et Chachamim dispense du korban, parce que non, à partir du moment où tu as eu prise de conscience, on ne pourra pas dire que tu as transgressé toute la quantité requise avec un seul oubli. C'est pas vrai, il n'y a pas eu un seul oubli, il y a eu une prise de conscience au milieu. Donc il y a eu deux oublis d'une demi-quantité. Donc tu transgresses plus l'interdit de Shabbat, et la halakha est établie comme Chachamim, et il ne sera pas tour d'apporter un korban. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.